Bon, il y a eu plusieurs changements depuis samedi. Premier changement, très triste, c'était la part. Ça me déchire le cœur parce que c'était vraiment ma première copine à Sydney. Deuxième changement, j'ai rencontré les amis de Soso. Donc, ils m'ont emmené à la crêperie. Ils m'ont emmené regarder un match de foot. Puis là, aujourd'hui, là, c'est pas de la rigolade. Je vous plais pour de vrai. Voilà, bon, il y a zéro plaisir. Il n'y a pas de plaisir. On peut pas faire ce qu'on veut. Là, c'est la pression, là. Des arcs-en-ciel, on fait n'importe quoi et tout pour rigoler. Ah, donc là, je peux pas rire, quoi. Ah, tu vas pas rigoler, genre. Comment ils jouent, ils rigolent pas, aucun sourire. Oh là, 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 une, deux, les gars, regardez devant, les défenseurs là. Waouh, 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 waouh. Wesh. C'est mort, c'est mort. Je crois que je suis allé au gardien. T'as pas de plaisir. Je m'appelle Adèle, j'ai 21 ans, je suis arrivé en Australie au mois de novembre. Actuellement, je suis au regret. Comme la plupart des Français. C'est chaud, tu vois, je rate une passe. Oh, oh. Je suis blessé d'ici là. Toutes les fesses. Ok. Hein. Trop mal. En fait, moi, je suis juste dégoûté d'avoir raté ta chute. En plus, elle était belle la chute. Genre, j'ai sauté trop en fait. Ouais. J'étais grave, je tombe sur les fesses. Hi everyone. Il m'a tellement choqué, les gars. Alors moi, c'est Samy, j'ai 23 ans, je viens de France du coup. Pas de Belgique, hein. De Caen, du Canet. J'ai un trop beau building, incroyable. Et de sa mère, je roule en PCX. Et tes meubles? J'ai pas de meubles. Je fais Uber Eats. Et tous les jours, 12 heures, ouais, 12 heures. 12 heures par jour, hein. Et 7 jours sur 7. C'est quoi? T'as dit quoi? Une prison. Mais. Ça va! Ça va! Je commence bientôt au Zara, mais il me manquait une pièce pour mon uniforme, enfin plutôt pour la tenue en attendant l'uniforme, donc Soso m'a accompagné faire du shopping. Moi je crois que ça va, être un peu oversize. M, tu sais que M c'est pour moi carrément. C'est un M femme! Tu l'as senti juste dans la première manche. Non. En vrai, attends. Ça va? En vrai ça va. Style. Non, c'est grand quand même, hein. Mais c'est la même! C'est la même que j'avais essayé. T'es sûr? Je pense, je sais pas. Non, c'est pas la même, elle est plus oversize. Elle est bien, non? Ouais. Franchement, elle est bien celle-là. C'est bon, je crois. La 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 la, on est dans mon paradis. Bruh. On est dans. On est dans mon lieu, dans mon royaume, dans mon fief. Fief, c'est quoi fief? Un royaume, ça. Ça évolue quoi. C'est pour un combattant de MMA de passer en boxe, qu'un combattant de boxe de passer en MMA. C'est vrai que c'est plus des. C'est plus des petits boxeurs, boxe taille. Mais tu sais que. C'est facile. Si, mais de toute façon, ouais, c'est une bêtise, wesh. Non, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu faisais parallèle là-bas. Ouais, non, c'est une bêtise. Ouais, tu manges vite. T'as pas envie d'avoir un résumé. Ouais, je te parle en vrai. C'est pour ça que si je te parle en vrai, c'est bêtise, wesh, à l'aise. Moi, j'en gros, arrête de parler. Bismillah. Excuse-moi. Tu sais que si ça se trouve, on a raté le. Bah oui, sans blague. Dégustation de. Je sais pas ce que c'est de ça. Dégustation d'un petit chocolat australien. T'as déjà goûté toi? Ouais. C'est bon? Ouais. Enfin, c'est. Soit t'aimes, soit t'aimes pas. T'es vraiment une hater, hein. Je te déteste. Toi, tu me détestes. Non, c'est pas mauvais. Voilà. Après, tu manges pire que ça. Vas-y toi. Tu manges pire que ça? Ouais. Moi je suis pas très chocolat blanc. Mais c'est pas chocolat blanc, c'est genre chocolat Ferrero. Oreo. Non, c'est chocolat blanc avec des Oreos dedans. Ah t'es déçu hein. Ouais. Mais je connais déjà le coup.
Bon, j'exagère. C'est pas une masterclass, hein. Non. C'est pas le chocolat de l'année. Bah vas-y, c'est bon, toi. C'est pas dit que pour moi, personnellement, j'en achèterais pas, quoi. De quoi il parle? Jufle. Oui. Pourquoi tu fais ça sur le vlog? Oui. Non, de qui? De quoi? Il s'arrête pas. Oh, en plus, moi, je regarde. Pouya. Hey. On n'est pas les bienvenus du tout. Ah, on n'est pas les bienvenus. Pourquoi on n'est pas les bienvenus? Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'est-ce que tu as? J'essaye de m'introduire. Je suis morte. Attends, je prends tout. Attends. Comment tu fais quoi? Parce que en fait en gros, là normalement c'est une porte. Sauf qu'en fait, il y a une terrasse et tout. Putain, son cul il va jamais passer. Oui. Bah elle peut pas, elle est déjà passée de l'autre côté. Ah c'est genre un fumoir. Ouais. En gros non, c'est une terrasse. Et la porte elle est bloquée. Et en gros la porte il la ferme à une certaine heure. Et ça passe crème, hein. Ça passe crème de ouf. T'es trop une teug, hein. J'aurais peut-être pas dû mettre ma jambe comme ça. Bah si, c'est comme ça la meilleure solution. Ah bah ouais, putain, c'est un peu efficace. Bah ouais, j'aurais pu m'évader toute ma vie quand j'avais des couvre-feu de 18h. Papa, je rigole. Tu veux une petite anecdote ou pas? Ouais. Je suis déjà allée dans un... Putain, comment ça s'appelle? Les battes là, les planques. Je suis allée dans une planque. J'ai dû escalader deux étages d'un immeuble pour arriver dans un squat de mort. Pourquoi il y a deux verres de vodka? Non, comme non, ça. Alors c'est vodka. C'est pour toi? Ah non, c'est pas pour moi. Mais meuf, pourquoi tu m'as mis de la Red Bull? Vodka. Putain, quelle conne! Bah, le premier, tu le fais comme ça. Donne-moi la cranberry. Merci, voilà. Prête, j'arrive. Vas-y, Max. Oula. Maintenant tu passes ta tête. Ma ceinture est ouverte. Pourquoi t'es basé dans ce sens là, je comprends pas. Parce que en fait c'était plus sécurisant. Je regarde s'il y a un pied à cette chaise. Regarde comment ma truc est. Ah non, il y a pas de pied. C'est comme ça qu'il s'est bloqué le dos, Nico? Bah non, c'est rien, moi je suis pas fermée. Ouais, mais maintenant Amandine elle a massé Nico. T'as massé Nico? Non mais c'est parce qu'il avait mal au dos. Oui. Nico c'est lequel encore? C'est... Comment dire? La fenêtre elle est ouverte, c'est... Non. Ah oui, c'est possible. C'est une qui ressemble à rien. Elle ressemble à rien, c'est genre... Non, Miskina. Tu peux pas dire ça, me non, faire c'est pas vrai. Je dis que tu le trouves. Je dis pas ça, alors. T'as dit ça. J'ai dit qu'il ressemble à un bâtard. Celui qui nous prie. Le chippie. Oui. Ah ouais, mais pas les yeux, pas les yeux, tu vois. Ouais. Ok. J'ai voulu faire des crêpes aussi, mais les hommes sont trop méchants. Genre, vraiment, ils m'ont tellement saboté, les gars. Je vous laisse regarder le désastre. T'as vu tout le monde à la piscine, t'as grave. Mais ouais, je sais, j'ai vu les snaps. Mais je travaille. Mais refaites ça de nous. Il y avait un autre collègue à toi, je crois. Ouais, Il a même pris un pour les crêpes, mais c'est pas un repas.
Non, 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 c'est pas un repas. Ça, c'est une phrase de ma mère, ça. J'ai fait des clubs. Non, je te dis, j'ai faim. Ça nourrit. Non. Nous, on mange de la viande, frère, on est des hommes. En vrai, je critique, mais j'aime bien, en vrai. Adèle. Les vlogs. Eh, c'est ça manger. Fait des souvenirs, en vrai. Ouais, ouais. Ça non, mais vas-y, doucement. C'est un peu petit, hein, ta casserole. Hein. Ouais. Oh là, regarde, regarde. C'est vrai. Déjà juste là, déjà. Et bah la vie, tu manges plus là. Mais t'es pas concentré quand tu fais. Moi j'aime bien les gens qui sont concentrés quand ils font manger. Je suis malade, je suis pas concentré du tout. Je partage. Mais, là, c'est la session. Mais je partage tout avec mes Snapchat. Mais. Ouais, c'est comme ça. C'est pour déjà juste ça, ça me donne pas envie de manger. T'es pas à fond dans Raki is cooking. Raki is cooking. Là, tu vois encore, tu laisses le téléphone là et tu fais, je veux bien. Mais je leur montrais la pâte. Non, tu montres à la fin. Je leur montre la pâte. Parce que. Y'a pas de saladier, ils vont pas boire. Faut pas toucher son état là. J'avais fait combien de temps. Wesh, Kira. Wesh, wesh, tout ça. J'ai dit mon gars. Mais ça coûte allez, pas. Mais tu veux me tuer ou quoi? Ça coûte pas le sucre. Wesh, je suis choqué. C'est trop sucré. On rajoute de la farine et tout. Wesh. Mais voilà, je suis choqué, premier degré là. Mais y'a pas un cri comme ça, t'es malade ou quoi? Il abuse, les gars, j'explique qu'il abuse. Non. Il y a eu un gramme qui est tombé dedans. Tu sais comment ça gonfle? Comment? Tu vois les œufs? Ouais. Juste battre le blanc en neige. Non! Ma phobie sur terre. Je fais jamais de tiramisu parce que je déteste faire ça. Ouais. C'est chiant, c'est mal au bras, t'as même pas de feu électrique. J'étais malade! Je fais comme toi. Bah, j'ai. Oh! Oh! Je mets. Non, t'as le droit, moi je pars droit. Tiens! Oh, j'ai envie de vous chasser la cuisine, c'est pour ça que j'aime pas qu'il y ait des gens dans ma cuisine. Mon kikini. On oublie pas de mettre après ça. J'ai déjà mis. Il a grave insisté. C'est bon là. Ah, c'est trop. Je ne mets jamais de la. Coco, force à lui parce que je vais lâcher aux toilettes avec des crêpes là. Mais t'es malade. Je mets jamais de vanille dans mon truc. Pourquoi t'en mets là alors? C'est lui. On est le crash test en mode. C'est fun. C'est un mal, il m'a dit de mettre. Oh, fais comme ça. Il l'a acheté. Il a acheté de la vanille, faut bien. Mais il aime pas les crêpes, pourquoi tu m'écoutes? Mais c'est le résultat qui compte, pourquoi tu m'agresses? Je crois qu'elle est un peu trop liquide. Je sais pas ce qu'il y a dans ma caisse. Totalement. T'as du lait quoi. Je t'ai vu déjà faire. Je me suis dit, bon bah c'est bon, on a niqué les crêpes. C'est pas niqué, on en a juste trop. Je remets de la farine. Arrête de me juger comme ça, Adèle. Tu vas aller d'abord tes crêpes. Je crois. Mais hey, moi quand je fais de la pâte à crêpes, c'est liquide. Tu as un haut-parleur. Tu fais quoi à manger? Coucou les blogueurs de Kira. Bah je fais des crêpes. Je rajoute un truc ou ça va? Ça va, non? Non, ça va. Je veux juste que la pâte ne soit pas trop épaisse. Bah voilà, mais c'est pas épais ça. Attends. Tu m'en donnes pour faire des crêpes là? Non, mais parce que eux, depuis, ils me disent. Vas-y, tu peux faire pire. Qu'est-ce qu'il y a toi aussi là? Mais fous-moi la paix, c'est une... elle a un restaurant. Ah, ça excuse tout. Elle a un restaurant à crêpes. Voilà, je savais que c'était pas à crêpes, elle a un restaurant tout court. Moi je t'appelle. Et vous me croyez pas, ça s'appelle chez Merlou. Mais comment tu fais là? T'as pas de louche? Y'a pas de louche, y'a pas de louche. Et après ils vont dire, je sais pas. Ils vont dire, je sais pas faire des crêpes, y'a pas de louche, je vais pas prendre une cuillère. Il n'y a pas de louche, il n'y a pas de fouet, il n'y a pas de saladier. J'ai débloqué le personnage. Et à la cuillère à riz, je vais prendre la cuillère à riz. Après, on va laisser moi. Après, elle me dit. Mais il n'y a que du beurre dans la casserole, putain. On peut pas manger rien. Oh non. Loin, j'en peux plus. Mais tu fais quoi sur le. Hé hey, sors de ma cuisine. Prends la tasse. Sors de ma cuisine. Mais ouais, je fais quoi? Wanda, GG. C'est bon, arrête de me saouler là. Ah merde, on le voit pas. Mais voilà, ça me trouve, ça me bien même. Oh regarde. Damn. Y'a pas de vous savez pas, ça va prendre feu. Ça va prendre feu. Ça va prendre feu. Bien épais, ça pas ta crème. Oh là, elle n'est pas inquiète. Elle flingue, ça pas ta crème. Mais c'est moi!
Adèle, j'ai gagné, c'est moi, fais des pancakes. C'est pas des pancakes, ça. Regarde ces crêpes, là. T'as pété les plombs ou quoi? Mais voilà, regarde bien. Bah voilà, l'ouvre-dessus c'est des crêpes fait maison. Vas-y, bah, prends la pâte, tu fais ça là, avec la pâte. Mais elle a déjà vu. Ouais, elle est grave épaisse. Oh là, c'est de la folie. Satané vlog ou pas là? Ouais, j'ai snappé ça. Ah, c'est chaud. Non, c'est grave, c'est pas faire à manger, je sais pas ce que c'est. Vas-y, toi, casse-toi là. Ah ouais, y'a rien qui va, toi t'enroules les crêpes en plus. Et quoi, tu fais comment tes crêpes? Vous allez pas me dire c'est belge, je dois rouler les crêpes. Bah, regarde une cuisse. C'est des crêpes pour au restaurant, tu vois. Mais j'ai quoi? Tu me dis vas-y. Déjà, je prends la crêpe en main, on dirait un pancake. Je trouve dans une semaine, s'il te plaît. Une semaine, quoi. Non, arrête, elle est trop bonne, ma crêpe. Allez, allez, allez. Sois honnête. Tu sais, là. Toi, on dirait des frères et soeurs, c'est un peu lourd. Juste parce qu'on est clair. Ouais, c'est vrai. Vous êtes de la même famille en général. Sur ces marbles. J'ai vraiment pas ouais, mais c'est bon. Voilà. Voilà, vas-y, toi. Fou, alors, tu critiques, mais tu cliques. Tu vois, tu n'étais pas maintenant qu'on soit la pierre. Hein. Non, non, je vais le Attends. Vas-y. Vas-y. Sois honnête. Qu'est-ce que c'est comment alors? Oui, il rigole. Elle les a coupés à l'eau au cas où. Je suis raconté. Non, pardon. Par Allah, j'avais mangé un truc une crêpe aussi dur. J'ai dit non, mais ça s'en bat les couilles, c'est bon. C'est pas une semaine dans le frigo. Tu vois, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Je veux même pas ça dans ma story. T'es trop amito, toi. Tout le monde a kiffé. Si je vais finir parce que c'est haram, mais sinon j'aurais pas fait. Je vais te mentir, elle est pas. Oh, la phrase de fou. C'est vraiment une phrase de fou. Il a dit je vais finir parce que c'est haram. C'est pas contre toi, voilà. Parce qu'il y a une autre raison. C'est pas contre toi. Tu ne me touches même pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de touche. C'est parce qu'il n'y a pas de bouche. Je ne touche même pas. Elle a baisé avec un verre. Ouais, c'est pas une bière. Ça, mais là, là, elle est un peu dure, la texture. C'est ça. Sois gentil, s'il te plaît. Arrête. Arrête. Ouais, c'est que des semaines. Il est accro. Il est pas dur à descendre. Non, il est coincé là. Il y a un bouton là. C'est un cheese nan. C'est cheese nan à mon ref. Il était là, frère. Après, t'as traité ni 10 là. Ouais. Les gars, on a bien ri. Aujourd'hui, c'est ton jour. Happy birthday, Libolo. Regarde où il est. Okay. Allez. C'est un chien errant, c'est pas. Au nom de Jésus. Non, en vérité, bien calme. Qu'est-ce que je vais dire? On n'a plus le temps de dire bonjour, les gars. First time? Yeah! Oh, like me! Yeah! Yeah! Don't say that! Come on!
Allez,